Les amis, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier imixfoot, le partenaire de la chaîne YouTube et qui aussi sponsorise cette vidéo. imixfoot, c'est tout simplement un site qui vend des maillots de foot tels que le Barça, celui du Real, celui du PSG. Bref, il y a tous les maillots à bas prix. En plus, les frérots, écoutez bien, vous avez 15% de réduction avec le code BC. Donc n'hésitez pas à profiter. Première ligne de description. Maintenant, on va passer à la vidéo. C'est parti. Les amis, comme vous avez pu le voir dans l'intro, oui, Xavi a bel et bien appelé Lewandowski pour lui dire tout simplement, voilà, je vais vous le dire. Mais juste avant, n'hésitez pas à noter vraiment ma petite comédie sur 20, quoi, mon petit jeu d'acteur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que franchement, je trouve que j'ai le niveau pour jouer à Plus belle la vie. J'adore rire. Non, plus sérieusement, quoi, tout simplement, Lewandowski, oui, devrait bel et bien signer au Barça. Je pense que pour moi, c'est fait. Parce que quand tout simplement, par exemple, allez, t'es chez toi et tu reçois un appel de Xavi, une légende du foot, une légende du club, forcément, ça te fait plaisir. Parce que tout simplement, pour ceux qui savent pas, Xavi aurait tout simplement dit à Lewandowski qu'il était vraiment important pour son projet et que c'était l'attaquant qu'il fallait au FC Barcelone. Alors quand tu reçois forcément un appel comme ça, comme je dis, d'une légende du Barça, forcément, ça te donne juste envie. En plus, Barça, comme vous le savez, le Barça a forcément des envies, a forcément un projet, un magnifique projet. Voilà, ils ont envie de gagner. Et forcément, ça te donne envie de le rejoindre. En plus, on le sait, il veut un dernier challenge. Et pour moi, je pense que le dernier challenge sera à Barcelone sûr. Je pense qu'il va signer au Barça sûr. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas vous à me dire si pour vous, il va signer au Barça ou pas. Si c'est vraiment pour vous, c'est sûr. Mais moi, pour moi, honnêtement, si je dois parler en termes de pourcentage, je te dirais au moins 80. Allez, 80% sur 100, quoi, tout simplement, qui viennent et 20% qui restent au Bayern Munich. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il est sous contrat jusqu'en 2023, ce qui veut dire qu'il lui manque un an de contrat. Donc, le Bayern Munich, s'ils veulent le vendre, ça c'est maintenant. Parce qu'après, ils vont perdre de l'argent s'il part gratuitement. Donc, je pense que le Bayern Munich va le laisser partir et qu'ils vont recruter un autre attaquant pour le remplacer. Parce que vraiment, il faut vraiment être con pour le garder jusqu'à la fin de son contrat. Pour tout simplement, après qu'il part gratuitement. Non, pour le Bayern, je pense que le plus important, c'est de le vendre. Et après, on ne connaît pas du tout encore le montant de ce transfert, en espérant que ce ne soit pas trop cher non plus. Parce qu'on va pas se mentir que déjà, de base, oui, j'avoue, de base, Lewandowski au Barça, j'étais pas trop chaud. Moi, je voulais vraiment un petit Adeyemi ou Haaland, voire Haaland, c'était vraiment le boss que je voulais au Barça. Mais malheureusement, comme vous le savez, il a signé à Manchester City il y a quelques semaines, voire même quelques jours, je m'en souviens plus. Mais voilà, pour vous dire comme quoi, on est quand même dégoûté. D'ailleurs, je vous ai même sorti une vidéo sur Laporta pour vraiment savoir si vous lui faites confiance ou pas, parce que franchement, c'était vraiment chaud. Et voilà, du coup, les amis, c'était vraiment juste pour partager de l'information sur Lewandowski, comme quoi il pourrait venir au Barça et comme quoi Xavi l'aurait appelé et Xavi le veut et insiste pour l'avoir. Donc du coup, voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, tu connais. Maintenant, je te fais de gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Allez, ciao.